On se retrouve pour l'épisode 87 de Retour à Million. Alors, on est face au musée de Condefolle pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on va s'occuper de ce musée. Dans cet épisode, on va s'occuper de ce musée en essayant d'aller chercher des reliques un peu aux quatre coins du monde. Et également, on va s'occuper du zoo. Pareil, on va essayer d'avoir de nouveaux animaux dans ce zoo. Et l'objectif, hein, c'est d'augmenter l'attrait de notre ville. On avait déjà un petit peu commencé lors de l'épisode précédent. Pour pouvoir débloquer un nouveau bonus ici, qui est assez fort, hein, le plus 50% de productivité par électricité. Donc tous les bâtiments reliés à l'électricité via une corporation bénéficieront d'un bonus de 50% de production. C'est assez fort. Donc on va essayer de débloquer ça. Et pour ça, il nous faut à peu près 200 points d'attrait supplémentaires. Donc voilà, on avait déjà entamé ça. Dans l'épisode précédent, et également ce qu'on va faire, en fait, on va continuer le travail qu'on avait fait précédemment, à savoir, on a quelques navires frigorifiques ici, petit à petit, on change notre flotte de cargo par des navires frigorifiques qui sont plus efficaces. Ça, c'est un objectif, et l'objectif aussi, c'est d'arriver maintenant assez vite à 160 000 populations. Voilà un petit peu ce qu'on va faire. Alors, ce que je vais commencer par faire, tout simplement, c'est je vais déplacer tout ce quartier pour pouvoir agrandir parce que j'ai quelques ailes de palais à mettre aussi qui vont permettre d'augmenter l'attrait de la ville. Donc je vais faire ça. Je vais déplacer tout le quartier là. Je pense pas de beaucoup de 1. Enfin peut-être... quoique là j'ai le truc. Ouais, peut-être de 2, allez. Hop, on va le déplacer de 2. Ouais, voir 3. Voir 3 cases, c'est pas mal comme ça. Hop. Voilà, parce que le but ça va être aussi de mettre les ailes de palais qu'on a en plus, parce que les ailes de palais ça fait également de l'attrait. Alors sans plus tarder également, on va commencer une nouvelle exposition universelle pour débloquer des reliques. Alors on va faire toujours archéologie ici et c'est parti, formidable. Alors on a tout ce qu'il faut, on a du café, des tortillas. Ah, des tortillas, il va m'en manquer un petit peu. On va retourner en chercher. Sinon, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va retourner chercher des tortillas. Et ce qui serait bien aussi, c'est d'aller dans le nouveau monde. On va faire un truc qu'on fait pas souvent. C'est parce que la dernière fois, via l'exposition universelle, j'ai débloqué une carte légendaire pour pouvoir également trouver une relique via le récupérateur. Donc, on peut également faire ça. On va la prendre, la carte. Alors, normalement, elle doit être par là. Elle est là. Chasse au trésor. Dans le nouveau monde. Ok. Tac. Et on va du coup l'envoyer dans le nouveau monde. Le nouveau monde, tu vas aller à Salsa Verde. Hop. On va également envoyer... Oh, là j'ai du café. Ah oui, c'est un cargo qu'on a remplacé sur la route du café. J'avais pas vu. C'est une bonne nouvelle. Ça, on va mettre du café en réserve un peu. Que le café ne coule pas à flot. Et on va envoyer des cargos aussi un peu aux quatre coins de la map pour pouvoir aller récupérer auprès des partenaires et des PNJ des reliques et des animaux. On va prendre lui. Est-ce que je peux mettre les conserves aussi? Alors on va aussi à la NBSA du côté de Taborimé récupérer des reliques et on pourrait aussi aller... Ah mais j'ai plus de bateau, j'ai plus de cargo. Ah si, lui. Lui, on va l'envoyer. On va l'envoyer côté... Tac, tac, tac. On va l'envoyer côté Ancien Monde, au bazar exotique, où là, on aura peut-être des objets aussi à récupérer. Voilà. Le peuple célèbre. Allez, c'est parti. Grosse expédition. On ramène des objets. Et après, ça pourrait être pas mal également, pourquoi pas, de finir les collections pour profiter des bonus offert par quand on finit une collection, soit de zoo, soit de musée. Ça pourrait être pas mal. Alors en attendant que mes bateaux arrivent, je vais quand même voir si dans le nouveau monde, j'ai pas un bateau qui serait disponible pour faire mon aller-retour avec quelques tortillas. Si, voilà, on va prendre cette frégate. Et on va prendre les tortillas. Voilà, ici, c'est bien ça. Marchandises. Hop, voilà, on amène tout ce qu'il faut. Tu vas à Crownfall. Faudra pas les oublier, surtout à Crownfall. Les tortillas. En attendant, ce qu'on va faire, c'est
Je vais rajouter les fameuses ailes. Je vais continuer là le délire de mettre... Ah, ou je vais faire peut-être quelque chose d'un petit... Non, de mettre des petits... des petites choses comme ça, là. Je sais pas comment on appelle ça, mais des petits... casser la linéarité de mes murs. Alors, ce que je pourrais faire pour être plus rapide... Ah mais j'ai carrément déplacé, non, je voulais faire un copier-coller. Hop. Comme ceci. Là, je vais peut-être les faire plus larges pour changer un petit peu. J'ai le droit encore à une aile de musée, donc voilà, je vais en faire qu'un pour le moment. Je vais déplacer ces deux. Oh là, pas du tout ça que je voulais faire. Voilà, je vais faire comme ça. Je ne sais pas combien on peut mettre d'ailes de musée en tout. Tac. Navire est revenu de son voyage. Alors, j'ai déjà un navire qui est revenu. Le cargo Black Rose, il est où? Il est déjà arrivé au bazar de Kaina. Il a pas traîné. Il a pas traîné du tout. Alors, on va voir, est-ce qu'on peut déjà récupérer ici au bazar de Kaina des petites choses sympas? Alors, hop. Alors, on a peu d'animaux. Si, on en a ici. Alors, on va essayer de prendre que des choses de collection. Pour le moment, j'ai pas de jardin botanique. Donc, je vais me concentrer sur les animaux. Et les reliques pour le musée. Donc on va prendre lui, jungle orientale. On va pas l'avoir. Le buffle. L'hippocampe non plus. On va essayer de le remplir, hein, le cargo. Si on peut. Donc à faire, je vais voir si j'ai pas des reliques ou des PNJ intéressants à choper. Le loup gris, on s'en fout un peu. Non, il n'y a rien d'extraordinaire là. Ça fait pas partie de collection tout ça. Le bison. Ah, le bison pareil, il fait pas partie d'une collection. Par contre lui oui, le pan oui. On prend. On a plein de sous, on peut se permettre de lancer le dé. C'est pas un souci. Ah, il est pas mal le rôti du dimanche. Ah mais non, mais disparaît après utilisation. Donc c'est sur une expédition. Votre navire est revenu de ça y est, tous les navires arrivent. Faut surtout que je regarde les tortillas. Je pense pas qu'il ait déjà fait la frégate le tour. Hein. Lui on l'a déjà. Voilà, on a l'ours noir, la mouette, l'ours noir. Alors on va prendre l'ours noir. Le médaillon malheureusement il fait pas partie d'un. D'une collection. Je tourne. Oh, le pigeon. Je savais pas qu'il y avait le pigeon. Pas grand chose non plus. Ah. Votre navire est revenu. Ah, la méduse casquée, pas mal. C'est rare. En fait, il n'y a pas de relique. Il n'y a pas de relique. Mais ça y est, j'ai pratiquement rempli mon bateau. Et on va faire ça sur les trois PNJ. Et le Turziops. Allez, let's go. Ça y est, au moins on a les trois. Hein. On a les trois. Par contre, dans le musée, j'ai rien trouvé d'intéressant. Mais bon, c'est pas grave, hein. Que des animaux. Hop. Charbonnier au rapport. Tous. Voilà. Ils appartiennent tous à une collection, donc ça, c'est bien. Et du coup, lui, on le renvoie à Cap Trelawney, Cronfall. Alors, à Cronfall, on va quand même aller voir si on n'a pas reçu. Pardon. À Cronfall, si on n'a pas reçu. Les tortillas. Non, pas encore. C'est surtout ça que je voulais regarder. Donc, ok, là on arrive. Là on a fait nos ailes. Alors, je voulais faire un truc avant de continuer côté Nouveau Monde. C'est je vais augmenter un petit peu ma population. Alors là, je vois que ça bouge un peu. Bon, ça va, c'est les fermiers. Ça doit pas être très grave.
Alors, on a 153 000 populations. Je vais faire évoluer tout ça en artisan. Et on va essayer de faire ces deux quartiers en ingénieur direct. Voilà, l'objectif, augmenter la population. Hop. De manière un peu plus drastique. Après, ça y est, hein, je suis à la limite. Je suis à la limite d'utilisation de ma... De ma centrale pétrolière, hein. C'est dommage, elle est pas très très bien placée là, parce qu'elle est pas vraiment au centre-ville. Mais bon. Ah d'ailleurs, je suis en train de regarder un truc qui m'étonne. Ah oui, c'est que là, je suis un peu loin également. Ma centrale électrique là, elle dessert pas ici, on a pris l'habitude les lunettes qui sont ici. Alors par contre, où je suis bloqué, c'est que j'avais dû faire en sorte que ma corporation là, ouais, les deux corporations se touchent, on pourra pas faire mieux. Ah mais par contre, je suis bête. Ah oui, elle va être utile en fait ici parce que je vais tout simplement faire ça. Et là, direct, on est bon. J'ai bien fait de le voir ça. Parce que sinon, à mon avis, j'allais être en galère de lunettes dans pas longtemps. Parfait. Alors la population va monter doucement là avec ce move qu'on a fait. Alors on va aller voir côté ici. Est-ce qu'on a reçu... Non, on n'a pas reçu les tortillas. Est-ce que tout se passe bien au niveau de mon exposition universelle? Pourquoi il me dit manque d'électricité? Électricité, elles n'ont pas d'électricité? Il se fout de moi. Ah oui, 28%, mais ça va repartir tranquillement. Il manque que les tortillas d'ailleurs. Alors on a un navire qui est revenu. Ah mais c'est le cargo ici avec les animaux. Putain, lui il va vite. Hein. Je sais pas ce qu'il a ce cargo. On dépose tout là. Et côté, du coup on va aller voir côté Nouveau Monde. Est-ce que à Salsa Verde, ouais, il est là. Alors, on va ouvrir la carte. Alors, il y a trois petites îles. On est dans le Nouveau Monde. Trois petites îles comme ça et c'est au sud d'une petite île. C'est au sud d'une... C'est vraiment des îles minuscules. Hein. C'est vraiment des îles minuscules. Alors, où c'est qu'on va trouver ça? Si je fais carte... Non, pas carte du monde, route. Ah, c'est là-haut. Hop, c'est clairement ici. Direct, je l'ai vu direct. C'est ici qu'on va les trouver, je pense. Notre relique. C'est marrant. Alors, trouver l'emplacement, on a dit que c'était du coup par là, je crois. Je les vois pas là, les îles. Elles sont où ces petites îles, là? Attends, je vais reprendre les routes. Ah non, c'est plus à droite. C'est plus à droite, c'est plus là. Ça serait là. Ouais, ben il est là. Il est là, le trésor. On va voir ce que ça me donne. Je fais pas souvent ça, mais bon, vu que j'avais débloqué cette carte, j'espère que ça va me donner un truc sympa. Et en attendant, ce qu'on va faire, en attendant qu'il arrive là, ici, on a notre cargo qui est arrivé, donc on va faire la même opération. Côté de ce port, sachant que là on va quand même regarder précisément les objets, par exemple ça, voilà, les objets épiques. Et lui, je l'aime bien le mettre confiseur par exemple, et je l'ai pas. A fait cuisine de plantain frit au lieu d'huile de poisson, ça pourrait être utile. Ça, je vais le prendre. Et bon, faut quand même que je me concentre sur ce dont on est venu chercher, à savoir des animaux ou des reliques. On a le crocodile, jungle orientale, on prend ça, c'est ok. Fabricant de pancho. Pourquoi pas générer des voiles. Ouais, non, pas très utile. Ok, je prends ça. Beaucoup de choses du jardin. Il y a finalement peu d'animaux là qui arrivent. Un peu déçu. On va voir quand même ce qu'on peut trouver d'intéressant. Les
les papillons, mais malheureusement les papillons font pas partie d'une collection, on comprend pas. Qu'est-ce qu'on a ? Et ouais, il me propose beaucoup de personnages. La tortue et des choses que j'ai déjà. Ah tiens, voilà la rascasse. On commerce. Et il n'y a rien pour aller dans le musée par contre. Hein. Donc ça va être vraiment le zoo qui va profiter de ces opérations. Le puma, mais le puma il appartient pas à une collection malheureusement non plus. On tourne hein. On tourne. En stock dans le musée. Alors pour une fois j'ai quelque chose de musée, mais pas de collection ici. On trouve pas grand chose en même temps, on avait déjà acheté beaucoup de choses, hein, Madame Kaina. Voilà. Lui, je l'ai vu 28 fois, cet objet légendaire, là, Pedro. Bon, si on ne trouve pas plus, c'est pas très grave, hein. Je vais aller jusqu'à 100 000, je vais encore faire 4 lancers. On va s'arrêter là. Non, on n'a rien. Ah, il fait quoi, lui? Affect, fabricant de tortilla et cantine, manœuvre requise moins 40%. Ah, donc moi, c'est pas terrible, ça. Pour un objet épique, c'est pas terrible. Pas terrible, terrible. Allez, encore une. Non, bah, je pense qu'on a fait le tour des objets. En fait, Madame Kaina, elle avait pas grand-chose à proposer. Je pensais que ça allait être plus intéressant. Elle a un petit bonus. On sait jamais, non. Pas plus. Allez, on se casse, c'est pas grave. Bon, trois objets. On va juste passer par... pour le maître confiseur, on va le déposer ici. Avant de repartir à Cap. Alors lui, il va plonger. Il va nous trouver notre relique ici. Qu'est-ce qu'il va aller nous chercher? Ah, si t'es perdu, pas mal. Hein. Un objet de musée. À 40, ça c'est bien. Ça c'est bien. Hop, et on va partir. Du coup, on va le ramener à Cap Trelawney, à Cronfall lui aussi. Alors, comment ça se passe? 105. Bon, notre population a un peu augmenté. 154 000. Tout le monde est arrivé ou pas? Alors, on n'a pas d'électricité. Ah ouais, ça galère hein, l'électricité ici. 150. 77. Ouais, tout le monde est arrivé. Frustré. Je vais faire un petit quartier, je pense, de un nouveau quartier de fermiers. Alors par contre, je vais laisser des ouvriers. Je vais faire un quartier de fermiers ouvriers, là, derrière. Vu qu'on a un marché. Peut-être laisser un petit peu plus, on fera une jolie place, je pense. Je vais laisser un petit peu plus de place, histoire d'aérer un peu ce quartier qui commence à être vraiment très... Ça commence à faire vraiment très bloc. Je vais juste faire un nouveau quartier d'ouvriers ici. Je vais pas les changer en artisans parce que j'ai peur de commencer à galérer à manquer en ressources. Ce qui va me rendre la vie plus facile avec les ressources, c'est vraiment l'objet, le bonus de palais là qu'on va débloquer. Cette ville est un aimant à génie. Voilà, là on a de quoi faire une place un peu sympa. D'ailleurs, on pourrait faire un peu le même pattern là, comme ça. Tac. Oula, non, je me suis trompé. Voilà, exactement comme ça.
pas ça que je voulais enlever, c'était ça. Je suis bien là? Ouais, je sais. Oh! Bon, j'ai décalé le truc. Pas bien. Ok, comme ceci. Ah, j'ai aussi un truc à faire dans le nouveau monde. Là, ça fait un peu comme une petite étoile, une place un peu en étoile, comme ça. On va continuer à construire autour. J'hésite à le faire direct. Ouais, je vais faire de la population quand même. On va quand même augmenter un peu cette population. Même si ça va rester que des ouvriers, pour le moment, ça peut être pas mal d'augmenter un petit peu. Ah oui, ce qui va être bien aussi, c'est qu'il va falloir que je place rapidement du courrier de ce côté-là. Il commence à y avoir un peu de monde. Je pourrais déplacer ça ici et là mettre un courrier. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Un bureau de poste, hop. Ouais, il est parfait là. Important de générer du courrier, c'est tellement important le courrier. Alors j'ai quand même une petite chute, non ça va. Le temps que tout le monde arrive. Puis après on leur mettra... Est-ce qu'il leur manque quelque chose? Non, en bonheur non. Ils aimeraient bien avoir accès à un cabaret. Et eux aussi, le cabaret pour les ingénieurs. Mettre un cabaret. Histoire qu'ils nous fassent pas une manifestation. Alors où c'est que j'ai un... Là, j'ai un cabaret. Hop. L'école ici, elle me sert plus à rien. Je vais la mettre là-haut aussi. Je vais te faire un peu de place. Ça me paraît bien. L'exposition, elle est bientôt finie. Ok, mes bateaux, ils sont pas encore arrivés. Voilà, on va voir comment ça se passe au niveau de la population. On est pratiquement à 155 000. Ça bouge pas trop. Est-ce que je peux déjà les faire évoluer, mes fermiers? Ouais, on va faire des ouvriers. Ok, ça y est. L'exposition est terminée. Il faut encore attendre 10 minutes ou je peux récupérer déjà? Non, faut... Ah, j'ai pas... Ah, j'ai oublié les tortillas. Je le savais. Je le savais que j'allais faire ça. J'ai oublié les tortillas. Bon, c'est pas grave. On aura un niveau 3 d'exposition universelle. On aura des tortillas pour la prochaine fois. J'en étais sûr, 100%. J'allais oublier les tortillas. Vas-y, lui, on va le mettre de côté. Lui aussi. Lui aussi. Aïe, 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 les tortillas. Les tortillas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du côté de Taborimé. Essayer d'aller chercher également des animaux ou des reliques. Alors, mon cargo, il est arrivé où? Il est arrivé... Non, il n'est pas arrivé là. Il est là. Parfait. Même combat ici. Oh, il est beau, lui. La grue royale. Ah là, par contre, lui, il a des choses à offrir. Hein. Il a des choses à offrir direct. Faut que je vois aussi si je pourrais pas avoir des objets pour optimiser un peu NBSA, là. Tout est prêt. Oh, bah là, on va tout prendre. Hein. On va tout prendre. Hop. On a déjà 3. Et ouais, là, il a des bons objets, lui. Qu'on regarde un petit peu à l'occasion. 25% sur les cultures. Le nid là, on le prend. Allez, le livre. C'est ici. Ici, lui, il avait tout. Hein. La figure d'animal, pareil. Ah ben lui, on l'a blindé direct. Hein. On l'a blindé direct. Allez, c'est parti. Et on va... Je pense qu'avec tout ça, on sera bon pour débloquer le fameux bonus.
retourne à Crownfall. Alors, ça commence à s'agiter au syndicat. On est bon là. Ouais, tout le monde est bien, tout le monde est satisfait. Là, je vais les changer également en ouvrier. Ok, c'est bon. Alors, il est rentré, lui. Parfait. Votre peuple commence à tomber malade. Alors, c'est parti. On va mettre ces objets dans mes zoos, dans mes musées. Alors, pour le moment, je vais les aligner bêtement. Et je vous le dis, on fera un petit live sur Twitch où on décorera le zoo, le musée et puis d'autres choses même très rapidement. Je pense dimanche. Dimanche, si vous êtes dans le coin, comme d'hab, le dimanche matin, on fera une petite session décoration de notre ville lors d'un live. Ouais, il va me falloir beaucoup de choses parce qu'il y a des animaux, il va y en arriver. On va en avoir pas mal. Pour le moment, je vais placer ça de manière très, très carrée. Et on fera quelque chose de plus sympa lors de la session de décoration. Le dernier numéro vient de sortir. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tout mettre. Hein. La méduse. Le dauphin. Les hippocampes. Les ours. On y va. Il y en a encore. Va falloir que j'aille relancer un match de foot aussi parce que là les points d'influence ça part vite. J'ai débloqué un bonus connaisseur. Hop, voilà pour le zoo. Je pense que ça, en fait, ouais, ça a déjà suffi en fait. Ça suffit déjà. Et j'ai débloqué mon fameux bonus de 50%. On va le mettre tout de suite, 50% de production électrique. Voilà, donc je vais remplacer bien évidemment. On va produire moins de blé, moins de houblon. Mais en vrai, priorité à l'industrie lourde. Plus 50%. Donc on va direct voir les faits. Là, on est à 240. On devrait passer à 290. On va le voir tout de suite. Hop, c'est parti. C'est enfin terminé. Et nos profits. Il est content, lui. Il est content. Ah oui, du coup, l'exposition universelle est terminée. Ah, Crownfall a perdu de son attrait, mais je pense que ça suffit. Ouais, 3900, c'est bon, je suis bien. Et voilà, c'est en train de monter, là, tranquillement. On devrait arriver à 290. On ira voir si c'est bien le cas. Et là, on va voir ce qu'on a découvert. Dommage, j'ai pas fourni les tortillas pour avoir le dernier niveau, là. Bon, c'est pas grave. Oh! J'ai cliqué trop vite. J'ai pas vu ce que j'avais débloqué. On va le voir au niveau du port. Ça doit être dans objet culturel en théorie. On a débloqué ça. L'Iliade. Et on a dû débloquer ça aussi. Le trésor de Ben Shahid. Donc pas mal. Hein. Deux trucs à 40. C'est bien. Le reste, je l'avais. Est-ce qu'on a débloqué autre chose? Faut le voir s'il y a une petite étoile. Non, on dirait pas. Alors, bon, pareil au niveau du musée, on va placer les trucs. J'attends que j'ai un bateau qui va revenir d'Enbessa aussi. Donc là, pareil, le musée, on va placer un peu à l'arrache. On fera mieux lors de la session décoration. Alors, on a le sommet de l'Atlantide. Le collier. Le trésor de Ben Saïd et l'Iliade. Ok, ça va être intéressant de voir aussi ce qu'on a. Oh, il est joli ce bâtiment là. Pour l'Iliade, plutôt sympa. On va essayer de faire un joli truc au niveau de nos musées. Je vous dis, ça sera dimanche. Je viens de le décider en fait.
Ok, on va déposer tout ça. On va en profiter. On va tout mettre, tant qu'à faire. On va augmenter l'attrait. On n'a pas fait le voyage pour rien. Vas-y, je vais caler ici. Je ne sais plus combien il y en a là. Ils sont arrivés. Alors, on a le lion. Oh, pas mal aussi. Très sympa. Ils ont fait des choses jolies, encore une fois. Figure animale. Et la gloire des rois. Ok. Ah, j'en ai encore un. C'est lui. Bon, lui, il fait que plus 10, mais il appartient à une collection. Donc, on le met. Ok, parfait. Et au niveau du zoo, on a de nouveaux animaux. Tac. Ah, pas mal aussi, ça. Voilà. Alors, où on en est, du coup, de la collection, là, au niveau du zoo? C'est intéressant de voir. Alors, on n'a pas rempli de collection encore. Le grand récif corallien, franchement, ça s'est bien rempli. Ah, mais la rascasse, elle est où? Ah, il manque que le poisson globe pour le récif corallien. Il manque que le poisson globe qui est rare, donc il n'est pas si... Contrairement à lui, là il manque l'ours à lunettes, mais il est épique, donc pas facile à trouver. Mais lui, le poisson globe, il se trouve où? Et là, on en est où? Et là... Ouais, là, on a un épique aussi, l'hippopotame, à trouver. En vrai, le poisson globe, la rascasse, elle va arriver. Ouais, elle est à... Je sais où elle est, à l'Armanola. Et au niveau de mon musée, ça donne quoi? On n'a rien trouvé. Ça, c'est épique aussi. Ouais, là, on n'a rien rempli encore. Hein. Ça va être difficile. Épique à trouver. Mais bon, c'est pas mal. Je veux juste voir le poisson globe un petit peu, ce que ça donne là, où on pourrait le retrouver lui pour finir cette collection facilement. Vu que c'est rare, poisson globe. Poisson. Je peux pas le rechercher comme ça. Objet culturel. Ah oui, il faut que je mette inconnu. Globe. Il est là. Et lui, on le trouve où? On le trouve... Hey, on le trouve chez Madame Kaina. Elle me l'a pas proposé, Madame Kaina. On pourrait essayer d'aller relancer quelques dés pour essayer de le trouver, le poisson globe, en vrai. Sinon, il sera craftable via l'Institut de Recherche. On va quand même aller voir. On va retourner voir côté Madame Kaina. On a encore un bateau là-bas. Le Nouveau Monde, hop. Il est là. Je voulais juste déposer le maître confiseur. Et avec lui, on va retourner voir Madame Kaina, histoire de remplir sa cale. On accueillera d'autres volontaires à bras ouverts. Ça bouge un peu, là. Ça bouge vers le haut. Il faudra que je regarde. Ça a l'air d'un petit peu fluctuer, ma population. Il nous manque peut-être quelque chose. Alors, recherche du poisson globe. En tout cas, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. 156 000 populations. Je pense que dans l'épisode prochain, on va essayer de rush le 160 000 assez rapidement. J'ai besoin de quelque chose pour 42, 42. Est-ce qu'ici, on est bien en mode 290? Ouais, c'est bon, ça marche bien. Ça va nous faire du bien hein, pour toutes les productions. On va pouvoir finalement agrandir un peu notre cité facilement, sans souci. Alors, on a débloqué de nouveaux bonus, si on pourrait regarder. Un emplacement dans les hôtels de ville, ça c'est assez fort, mais pour le moment, je vais privilégier de réduire les biens, là. Votre peuple est à nouveau en bonne santé. J'aime bien ce bonus. On a débloqué quelque chose ici aussi. Plus 10 d'influence par module de zoo. Ouais, ça doit être à peu près kiff si je fais ça. Non, on a plus de modules de musée. En présence d'un virtuose. Alors, Pedro le capitaine, il faudrait qu'elle m'amène autre chose que Pedro le capitaine, hein. Et là, on a quoi? On a débloqué 200 tonnes de stock par port pétrolier, par dépôt pétrolier. Non, mais ça, je m'en fous. Je préfère les plus 300% de productivité pour tous les bâtiments côtiers. C'est hyper fort. Donc, ok. On bouge plus. On bouge plus. J'avais dit que j'avais quelque chose à faire dans le Nouveau Monde. On m'a fait une remarque très, très juste. Dans le Nouveau Monde,
on m'a fait une remarque très très juste. À savoir que la dernière fois, j'avais fait un sang de caoutchouc et je me suis trompé. Et quelqu'un l'a vu, me l'a mis en commentaire, encore merci. Si c'est pas vous qui en profitez, juste là, j'ai fait un champ de coton alors que je voulais faire du caoutchouc. Et le caoutchouc, on l'a ici. Là, j'ai du café, donc je vais faire un nouveau champ de caoutchouc. C'est ça qu'on voulait pour les grands bis. C'est quoi qui galère? Ah, pénurie de marchandises au niveau de l'engrais. Ça, c'est intéressant à voir. Faudra regarder un petit peu ce qui se passe. Si c'était pour en arriver là, c'était pas la peine. Apparemment, l'engrais ne coule plus à flot à Manola. Et ça peut être un souci. On va voir marchandises, engrais. Eh ouais, en gros, on n'a plus d'engrais. Il va falloir voir ce qu'on fait. Surtout si je rajoute encore un petit champ. On va le faire, on réglera le souci après. Je vais le mettre là. Ah non, quoique je vais plutôt le mettre là-bas. Ah, c'est chiant ça. Si on n'a plus d'engrais, c'est un peu la galère l'engrais. Donc je vais voir comment je règle ce souci. D'ailleurs, la dernière fois, je vous avais parlé d'un souci également au niveau de la production. J'ai réglé le souci au niveau de la production de fourrure d'ours. Voilà, j'ai juste rajouté en fait un... Je vais vous montrer un NBSA. Je l'ai fait juste après l'enregistrement de l'épisode précédent. Ok, donc cette fois c'est bon. On a bien du caoutchouc. Et niveau arctique, j'ai mis une usine supplémentaire là. Cabane de peau d'ours avec une chaudière. Donc là, maintenant, on est bon en peau d'ours et on a réglé le souci niveau cap trélonné où les investisseurs ne recevaient plus de peau d'ours ou plus assez. Donc, ok. Donc, ça, c'est bien. Et ce que je vais faire également, j'ai quelques navires frigorifiques là qui m'attendent. On va faire un truc, à savoir changer sur ma route du café. Le café, c'est le plus important. Alors, lui, c'était bon. Elle est là, la route du café. Alors... Ils sont en train d'arriver, donc je vais les arrêter, les cocos. Ils vont revenir au port tranquillement et ils vont être changés par trois messieurs bien plus efficaces. Navire frigorifique, hop. Il faudrait que je fasse la même chose pour le caoutchouc d'ailleurs. Tiens, bon, on va remplacer lui. Hop. J'ai une première route du caoutchouc et là j'ai une deuxième route avec 3. Petit à petit, je vais remplacer tous mes cargos par des navires frigorifiques. Interrégion. Et d'ailleurs, je vais en produire plus de navires frigorifiques. Faudra revendre les cargos hein, parce qu'au moins on regagnera quelques points d'influence. Vas-y, je vais en mettre 3 en route. L'influence, fais voir, j'ai débloqué des bonus là. Ils font quoi mes bonus que j'ai débloqués? Leader mondial. Non, c'était pas ça que j'ai débloqué, c'était pas expansion. Vous avez gagné un bonus d'influence. C'est plus où j'ai gagné là les bonus. En tout cas, je suis arrivé au max sur 3 trucs là. Vitesse de mes bateaux plus 25%. Coût d'entretien moins 10%. Ah oui, c'est ça que je viens de gagner. Optimisation. Main d'œuvre sur l'île plus 200. Bon, on est bon. On est plutôt pas mal. La population bouge pas du tout. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais peut-être essayer... Alors, je dis, il faut que je fasse gaffe parce que... Je vais peut-être essayer de m'étendre un peu de ce côté au niveau de ma population parce que là, je peux facilement... J'ai mon usine. Je peux pas caler deux maisons, là. Non, je peux en caler qu'une. Mais je vais quand même essayer de faire un nouveau quartier à partir d'ici. Ah, par contre, là, je vais être trop loin du marché, je pense. Je vais être content. Je vais faire des petits quartiers de 3. On a grandi. On a grandi. On fera aussi décoration. Ça va être sympa. On va faire aussi décoration autour, là, de l'exposition universelle.
Ça peut être pas mal. Bon bah là je vais faire carrément un quartier. Parce que là on a de l'électricité, donc on va mettre direct des ingénieurs ici. Pour en profiter. J'ai quoi qui gêne là? Quelque chose qui gêne ma maison, c'est marrant. L'affiche en rouge, on va voir. Je vais rester comme ça. Zone de construction bloquée. Ça c'est très marrant, il doit y avoir quelque chose qui me gêne. Alors ça c'est très très bizarre. Hein. Alors là, les amis, si vous voyez ce qui me gêne, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Parce que là quand même, pourquoi je ne peux pas mettre de maison ici? C'est un grand mystère. On mettrait une statue. On mettrait une statue, je sais pas, c'est bizarre. Très bizarre. Bon, la fête, ouais, c'est la fête. Fête. Festival de la bière à Kronfall. Alors, ce que je vais faire rapidement dans le nouveau monde, je vais lancer. Alors, je vais lancer plusieurs choses en fait. Je vais lancer. Alors, maintenant, c'est bon hein, pour le zoo, on est bon. Dans le nouveau monde, des points d'influence, il m'en faut plus. Ah, ben c'est bon, en plus, je peux en récupérer déjà. J'avais un match que j'avais pas récupéré, voilà, 89 points d'influence. Le peuple célèbre. Hop, bon, ça tant mieux. Et là, on a dû arriver ici. Alors, on va voir si on trouve le fameux poisson. Le poisson globe. Je sens que je vais pas le trouver. On va faire quelques lancers de dés, je vais pas en faire énormément, mais... Je sens qu'elle va pas vouloir me le donner, le poisson globe. Voir tant qu'à faire, hein, s'il n'y a pas d'animaux ou d'autres reliques. Bof. Rien d'extraordinaire. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Non, on va pas le trouver, l'ami poisson. Pas très grave, on va aller jusqu'à 100 000. Pourtant, la rascasse, elle ressort, mais elle est inhabituelle. On va aller jusqu'à 100 000. Encore 3. Pas de poisson globe. Dommage. Dommage. C'est pas grave. Allez, le dernier. Bon, c'était pas rentable. C'était pas rentable comme truc. Bah, je vais quand même le laisser là, ce cargo, on sait jamais. Si je reviens, un de ces quatre, voir s'il y a un petit poisson globe qui traîne. Je vais le laisser là, j'ai pas besoin, à la limite j'ai pas vraiment besoin de ces deux objets. J'ai débloqué le bonus de palais que je voulais. Ouh, par contre j'ai eu une grosse chute de population, on a perdu 2000. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors c'est à sa baisse ou ça monte? Au niveau des ouvriers, je vois que ça monte, ça fluctue un peu. Ah, les grands bis. Ah ouais, les grands bis, au niveau des ouvriers ça galère. Alors pourtant on avait rajouté deux usines. Rambis, on va regarder. 31 sur 41, ben si. Ah, ouh, c'est le caoutchouc. Normalement, j'ai assez en capacité de production pour les grands bis, mais j'ai peut-être un problème de caoutchouc. Justement, on en parlait tout à l'heure du caoutchouc. Si, ça va, 514, mais c'est pas top. Ouais, il y a peut-être un souci de caoutchouc. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est de regarder
Crownfall. On va voir le caoutchouc. Alors, bien évidemment, hein, je m'étais trompé de champ. Donc, ça, c'est pas top. Crownfall. Manola. Et je pense que... Alors, je vais mettre caoutchouc. 57 sur 46. Et il doit y avoir Leja. Ouais, je crois que c'est Leja où je fais du caoutchouc. C'est Leja ou pas? Ça a augmenté? Ouais, c'est Leja. Et j'en fais toujours pas assez. J'en fais toujours pas assez du caoutchouc pour Crownfall. Donc il va falloir remédier à ça. Mon champ supplémentaire n'a pas suffi. Déjà, je m'étais trompé. Et en plus, il n'a pas suffi. Donc il va falloir regarder un petit peu le caoutchouc, les grands bis qui galèrent a priori. Et il y a peut-être autre chose qui galère. Le café. Le café, ça galère, mais c'est normal. Parce que j'ai mis un stop à tous mes bateaux qui doivent être je ne sais pas où. Où ils sont, mes bateaux? Ah là, voilà. Il y en a un ici. Il est là, mon café. Il est là. Il est là et j'ai blindé de café, là. C'est pour ça qu'on a eu une grosse chute de population. Le temps de changer en... comme ça. Et là, d'un seul coup, ça va être beaucoup mieux. Allez, ça remonte. C'est parti. Il y a combien de cargos? Ouais, navire frigorifique, ok. Voilà, j'ai beaucoup trop de cargo, on va aller en revendre. Bon, on le fera la prochaine fois. On va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va faire deux choses. Hein. On va régler ce problème de caoutchouc. On va régler le problème d'engrais. Et également, on va continuer. On doit être à 100. Je pense qu'on va être à 157, 158 000 populations. C'est en train de remonter. Objectif, 160 000 avant d'attaquer potentiellement une nouvelle étape de la partie. On verra ce qu'on fait après. À 160 000. Mais j'ai envie quand même d'aller... D'aller à 160 000 pour conserver quand même une augmentation de la population assez constante, on va dire. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut à tous.